Ben quoi? Aïe aïe aïe! Ben voir un moun la tape aller! Qui ça tape moi? Hein, veut voir qui ça? Ben en fait, tu cries why! D'une, ma pas crié why! Ma crié aïe 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 aïe! Ah, un gars pas piquant? C'est moi piquant de ce temps, waouh, en arrête! Non! Non, 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 m'entends, m'entends, m'entends! Efface, 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 efface! Oublie, mariage, hein, oublie ça! Quoi? Aïe 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 aïe! Ah ben ça, elle m'a fait attention, ça te dit. Ah non, t'as pas ça, hein? Ben quoi? Mais oui, Georges, quoi? Il fait dopage, ou crie why? M'a pas crié why, m'a crié aïe 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 aïe. Ça t'a pas dit. Non, tu... Hé, accouche là, toute bonne téléspectateur, il s'abarre sinon. Quel téléspectateur, qui est quel? Oui, bon, accouche, Mouna. À moins que les poules annoncent à nous la fin du monde, mais on voit pas quoi ils peuvent mettre à dans des états pareils, hein. Voilà. Voilà, voilà quoi. Pita, c'est ça même, il écrit. Maman, c'est la fin du monde, on est fini. Ben quoi. José. Tiens. Quoi. Tiens. Qu'est-ce que c'est, les poules. Mi voisin bien là, mi voisin là, tu crois pas moi, hein? Là, tu crois pas moi, hein? Bientôt c'est la fin du monde, maman. Tu t'as fait ça tomber, ça s'en va bien là, comme ça, hein? Ouah, il est écrit que toute bonne planète, il s'aligne droit, droit. Pita, quoi? Où s'aligner? Très drôle là. C'est moi qui aligne les autres allées là. Pareil. Pareil. Oh ben, quand même. Un minimum de politesse si tu es pas de boule. Pareil. Pas que ça. Ça fait gros rire, grave malentendu, t'as le là, là. Mais ça t'est Georgé, ça. Vous l'avez gabarré, Georgé. T'es un gros rire, grave, t'es pas plutôt la vôtre, non? Il prétend les planètes, il s'est aligné. Ah bon? Putain, quitte à nous. Ouais, au revoir, Georgé. Prochaine fois, on a de bonnes nouvelles comme ça, là. Eh bien, vous fermez votre bouche, vous dites pas. Mais ça n'a rien compris, maman. Ça n'a rien compris. Hey, tu vois là, la lune, il s'en écrase sur la Terre. La Terre, il s'en écrase sur Mars. Mars, il s'écrase sur Vénus. Vénus, il s'écrase sur Jupiter. Jupiter s'écrase sur Saturne. Saturne s'écrase sur Jupiter. Un Jupiter, on l'a fini de dire. Hein? Bah oui, on l'a dit deux fois Jupiter. On l'a dit Jupiter, il s'écrase sur Saturne. Et Saturne, il s'écrase sur Jupiter. Ah, si le premier l'a fait une grâce sur le deuxième, il gagne pas grâce sur le premier. Mais j'ai réfléchi un peu avant de causer là. Il n'est pas grave ça, ou l'a fait un lapsus. Martha, même pas en rêve, d'accord? Même pas. Hé, hey, oh! Et dans tout ça là, qui ça s'accrase dessus de figure? Vas-y, accrassé. Laisse. Hé, 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 là-dedans. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Georges, Georges, Georges. Mâche tout seul. Putain. Quoi? Tu penses à moi? Fais mon gueule de temps en temps. Oui, ben là, les temps, là. Fais mon bouche. Là? Oui. Regarde, là, regarde, putain, regarde. Ben oui, hein. Si Adriana Carambeu la flash dessus, les sûrs, c'est la fin du monde. Mais non, Pita, pas ça. La Vital est là. Lire, Pita, lire, elle est écrite. Ah, ben voilà, regarde, m'y verrait ou bien là-dedans, moi, non? Dans le catalogue? Non, dans la robe, Martha.
Chimounoa. Ah, si le monde comme vous y arriverait à disparaître là, ben ce serait pas grave pour l'humanité, hein. Georges, il tombe quand là, au fin du monde là? Après demain. Hein? Eh ben après demain. Je l'avais trouvé tard, hein. Après demain? Oui, Pita, oui. Pita, adieu. Adieu, mon camarade. Après demain. Mais c'est ton mal, ça? Ah, ça au pédié, ton mal, trop mal. Moi, j'ai pris un rendez-vous dentiste au 22, moi. Pita. Annie? Quoi? Alors? Alors quoi? Lesquels ou prend? Oh, ben, vous connaissez, moi, la fine refait ma garde-robe, les bons. Ah, ah bon. Et là où la refait garde-robe, là? Ben oui. Ah ouais. Il remarque presque même pas, hein? Ah où la vôtre la fine refait? Ben non, ça c'est maman la fait ça pour moi. Ah, ben il remarque presque même pas aussi. Oh. Bon, Apolline, réfléchis un peu mon noir. Qu'est-ce que ça va mettre pour la fin du monde? Ton camp déjà? Ils viennent, Diaou, après-demain. Ben, il y aura qui? Hé. Laisse tomber. Si moi l'été où là, moi t'es reste comme ça, franchement. Hein. Oui. Viens. Hé, vous croyez ces affaires là-haut? Quelles affaires là? La fin du monde. Ben oui, c'est plus demain. Oh, oh mon Dieu, vous m'avez sacré, docteur. Non, Mossad n'a rien à voir là-dedans. Hein. De quoi nous ça fait alors? Mourir. Oh mon Dieu! Ah! Oh, putain, on l'a pas fini, fait peur Martha, non? Ah oui. Tous les prétextes, les bons pour les gratte son cul. L'a dit enfermé dans le cabinet. Et... En même temps, c'est un très bon endroit pour gratte son cul, hein? Ah oui, exactement. Bon, les pas tout ça, mais quel menu on l'a prévu là pour demain, la fin du monde, là? Ah, pour la fin du monde, moi, m'y verrais bien. Une petite boîte de bœuf persillée, au beurre d'ail et au curry. Vous vous empoisonnez de monde ou quoi? Ben, c'est la fin du monde, madame Mumu. Alors, que vous m'avez empoisonné ou qu'un planète écrase sur de figure, quelle différence? Oui, eh ben moins, là. Fin du monde ou pas, mais il veut que mon bon client ait un bon souvenir du boui-boui, comprends? Bon, ok. Alors, une petite boîte de bœuf à l'étouffer, voilà. Pita, ou à demain, là, Nena a deux solutions, hein. Soit c'est la fin du monde et où les morts. Soit c'est pas la fin du monde du tout, mais où les virer. Hein? Mais si m'y comprend bien, sauf comment mon poêle est au feu. Voilà, exactement. Ah. Quoi? Mais le poids? Boîte de bœuf au petit pois. Alors... 5 kilos de boîtes de bœuf, 3 boîtes de pois, une louche de saindoux, un chou finement haché, 2 betteraves, 500 grammes de farine pour lier la sauce, siave, sauce d'huître pour donner le goût, t'es. Hein? 200 grammes la peau de manioc pour attendrir le petit bœuf. Ou crase tout ça dans un cul de poule ou laisse mijoter pendant 5 heures en rajoutant de temps en temps et au fur et à mesure de l'eau. Attention, 3 litres maximum. Quand il croûte, ou réserve. On réserve quoi? Une table dans un bon restaurant. Martha? Mais viens! Mais qu'on arrive à où? Nous avons gagné une planète sur nos têtes. Oh,
parle plus. Moi, là, pas gagné sommeil avec ça. Le seul effet positif que m'y garde de ces histoires, c'est que m'y verra plus la tête de l'ONUS. Moi, là, beau chercher, hein, m'y trouve pas de trucs positifs à ça, moi. Ben, où verra plus la tête de l'ONUS, c'est déjà ça. M'y verra plus la vôtre non plus, et ça... Et ça quoi? Ça, elle est dommage. Merci. Pita! Wopé! Dis donc, pour la fin du monde, ça, demain, on n'aurait point une heure exactement, là? Si, moi, m'y connais. M'y pense que ce sera juste l'heure de foutre mon cuisinier à noeud de paix, d'accord? Ah, oh, ben ça, dès demain, un noeud de paix, il y aura tout le temps, hein, pour la vie, hein. Par contre, si Mimi. Oui. Si il dérange pas ou, hein, est-ce que les possibles. Il serait judicieux que vous payez moi demain matin. Le 21 du mois. Oui, parce que ben, si c'est la fin du monde, ben, où sommes ça trouvera au moins. Ah, oui. Bah oui. Mais Martha, qu'est-ce ça où ça fait coûte l'argent? Si c'est la fin du monde, les magasins seront fermés, vous connaissez? Ah bah merde alors. Ah bah oui. Ah ben sinon, on peut commander ou paye seulement la livraison? Ben livré, fais voir, hein. Madame Mumu. Quoi encore, Pita? T'es noir, vivement demain, t'es vivement demain. Oui, ben justement, en parlant de demain, est-ce que vous la pensez à notre prime fin du monde? Ah ben bien sûr. Ah ben vous rassurez-moi, vous connaissez. Bah putain, enfin, elle est tout à fait normale que mes chers employés chéris, que la gratte zot cul tout au long de zot vie, elle est tout à fait normale que m'y pense à récompense à zot pour tous les efforts que zot a pas fourni, enfin. Et quoi nous gagne exactement? Toute ma reconnaissance. Ah ben ça même démarque à nous. Et attention, toute ma reconnaissance et ma grande sympathie. Oh là là, c'est trop. Ben non, mais si. Ça n'est pas. Ah ben si. Bon, allez, tiens. Attends. Hein? Ou d'indemnité et ou de note du mois. Bah, le mois n'est pas fini. Oui, mais bon, ça c'est pour ma comptabilité. Au revoir, j'aimerais bien que vous solde ou compte avant demain. Bon, ok, ma paye à où? Après-demain. Il faut de tout pour faire une fin du monde. On est encore là, hein? Oh, mais excusez-moi, si ce matin, moi, rouvre le bruit sans ou... Ben oui, il est dommage. Parce que moi, te souhaite que la fin du monde t'attrape ou dans la nuit. Eh ben non, n'est pas pour comme là, hein. Nous n'a toute la journée pour ça. N'est prévu pas avant minuit, alors on a le temps. Le temps de quoi? Le temps de fouiller un grand trou, rentre dedans. Toujours aussi désagréable. Mais demande à moi, si vaut la peine vivre mon dernier temps avec un bouc comme nous, là. Vous connaissez, Martha, Nena 65 millions d'années, tout le bon dinosaure, la disparaître d'un coup comme ça, là. Ouais, et alors? Et alors, ben, aujourd'hui, moi, il m'y risque rien, moi, mais à où, là? Vous traitez à moi de dinosaure, là? Ah, hein? M'a rien dit. Bonjour! Ben, que ça l'arrivé? C'est Pita, il traite à moi de dinosaure. Les vrais, ça, Pita? Ah, non. Les traites, elles y sont tout seules, moi, m'a rien dit. Ah oui, mais un dinosaure, il est un peu exagéré, non? Dinosaure, maman. Martazorus diplodocus. Laisse. Regarde. Malagaï ou de commande chez Internet. Ah. Par contre, ben, elle a envoyé à moi un mail là, pour dire que le modèle là, bleu, hein, comme ça là, n'a plus en 34. Alors, moi, la commande en 42. Il n'est pas grave, n'a adapté. Ah ben oui. Ça est bien connu, ben dinosaure, on a une grande capacité d'adaptation. Oui, Mais t'es voulant quoi avec ça? Mais oui, c'est ça arrive, Jordi, ça tombe chez nous comme ça, yaou, ouais.
côté, mon agent, heureusement, m'y connais à où, oui. Ben parce que si moi, t'y connais pas où, là, mais me n'aurais pas envie de connaître à où. Pardon, excuse, pas fait exprès. Pita, t'es où, déconne ou? Mais de quoi t'es la fin, Pita? Non, attendez, t'es ça, juste ça. Bon alors? C'est la merde. Oui, la fin du monde. Oui, ben la fin du monde, la fin du monde, ben ça y empêche pas la tête tournée, non? Bon, alors, sorti d'Oric qui à soir? D'Oric qui, quoi? Mais attendez, c'est la fin du monde. Profite donc, pas tout seul à soir, mon noir. Et où dans le qui, où? Zoz. Zoz? Clunay. Ah, ouais, ça m'y veut voir. Et ça, c'est qui? Non. Fais voir. T'es non. Allô? Allô? Hein? Qui ça vous appelle? Zil. Zil? Ben oui, Malé. Aïe, aïe. T'es, putain. Oui. Vous dors tout seul à soir, quoi? Ben oui, pourquoi vous dors avec ma tête? Ah non, mais m'y connais pas, moi, avec ces histoires de fin du monde, là. La tête, les gars, ils bloquent. Mais putain. Oh, j'étais. Putain, un fin du monde comme ça, dans tout seul, elle est sec, hein? Ah. Ah oui, mais là, là, risque à bout de fin du monde, il arrive avant l'air. Putain. Hein, fais ça. Regarde. Alors, comme ça, ce soir, quick! What else? Attendez, ben comme ça... Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Adieu. De toute façon, moi ce soir, moi les bouquets, ok? Moi aussi. Quoi? C'est l'occasion ou jamais, mon or. Plutôt mourir. Les filles, en décalé. Ah. Comment se sentir mauvais? Alors, c'est la fin. Ben, à force de temps répété, va finir par arriver vraiment. Putain, tout seul à soi? Jean-Gé, mais coucou, et ça coucou, c'est tout, tout ce bonne femme là, mon chez Apollina. Ah, ça! Qu'on comploté pour la fin du monde, moi. Hein? Ouais, la fin du monde, monsieur Edmond, fini tout ça là, fini. Tout ça là, quoi? Tout ça! Ça, t'es là, ça là-haut, ça là, jusqu'au dernier pied de chandelle fond là-bas, fini! Ah! 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 Ah ben oui, monsieur Edmond, ah! Ben oui! En tout cas, d'autres là, bien, bien fait rire, moi. Pita! Bouton! Chez nous, tout seul là, soir ou là? Wonder, can you wonder? What the hell?
Mais que ça arrive à où? Moi, rien. M'a oublié mes clés. Comme par hasard. Que ça offrait sans moi, hein? À moi, moi serais heureux. Oh, comment on se paie avec moi un grand matin, là, hein? Quoi? Mais au fait une drôle de tête, pas rien, Google a entendu la voix, le diable. Hein. Non, m'a mal dormi hier soir, m'a fait cauchemar toute la nuit. Ah, ou la rêve bébête. Non, ma rêve à où? Comment ça, où avec moi grand matin, là, hein? Putain! T'es! Mais quoi encore? Ah, rien. On a encore des acouphènes? Non, pas un coup, mais un prifrène. Hein, monsieur Pita, à partir de maintenant, aujourd'hui, tout de suite, là, hein, est-ce que vous pourrez avoir l'amabilité de recevoir une bonne acouphène chez où? Il arrangerait à moi beaucoup. Au père, trappe la table là pour moi, s'il te plaît. Hein? Trappé. Pita! Ah! Hé, hey, ben ouais, une folle quoi! Il fait un autre temps que m'y crie à où? Hein? Il fait un autre temps que m'y crie à où? Quoi? Baiser? Mon cuisinier n'y sourd? Ah! Excuse! Pardon. Quoi? Quoi? Qu'on dit? Nan mon écrit à où? Où ça? Connais pas moi. On sort à où, non? Par contre, madame Mumu. Quoi? Rien. Pitaté! Ah ouais? Ah non, on m'y entend. Oula! Pourquoi d'un moi depuis grand matin, là, non? Hein? Nos oreilles bouchées ou quoi? Matin? Ah non, d'abord c'est le pape! Léonis! Mais il n'est pas possible un bout comme ça là! Matin? Ah, madame Mimi, tonton! Nous les sauvons! Yes! Dans ce sens-là! Dans le cabinet, couillon! Mais qu'on s'est senti foutre à la zone de... Qu'on s'est nous foutre à la zone, tu vas pas nous les bloquer là? La zone de la resprit. Non, nous les bloquer. Depuis hier, mon nom. Ça la donne dans mon cabinet? Non, nous la rendons quasi à soi, nous la rendons la grand matin. Je dis, querie ton Dieu, les belles comme ça là. Rien? Hein? Ou tu passes ce couillon là, de 2h du matin pour rendre pèse à moi un théa? L'honnêteté! Mais jamais, n'a pas assez la place là-dedans! Ah ben. Mais c'est ce que m'a dit à lui! Mais la tête est dure! Bon, quoi ça t'y fout dans mon cabinet, zot 2? Attention, il veut pas de ça ici, moi! Hein? Mais non! Hier soir, moi, je suis en train de montrer ce couillon là, dans quel sens il tourne au robinet pour lui boire un peu l'eau parce qu'il était déshydraté. Et paf! Les moukats attaquent la porte à clé. Ah, hé, hey, oh, t'es lui à te faire tu à moi, hein, m'y ferme. Hé, hey, dépêche à ce matin parce que là, là, on a envie de pisser, là, mon an, tonton. C'est le nus. C'est quoi? Mais ça, où l'est, où là? Bon, pita, qu'il est où de clé? M'a oublié. Mais... Bah, bravo. Bah, t'en as un double. Bah, ben oui, mais t'as qu'il est où de double clé cabinet. Hein? Les vrais, les dans ma page. Ouais. Martin.
Attends.